Le rallycross, discipline de sport automobile née au milieu des années 60 en Angleterre, est par la suite importée en France 10 ans plus tard par le pilote Michel Hommel. Cette discipline se pratique sur un circuit fermé, alternant un revêtement en terre et en asphalte avec des voitures similaires au rallye. Il existe trois catégories différenciées par la puissance des voitures. Le Touring Car, le Super 1600 et la catégorie Reine, le Supercar. Les courses de rallycross sont à la fois courtes et très intenses, car les 5 pilotes partent de front et doivent effectuer 4 tours, ne durant souvent pas plus de 1 minute chacun. Le format très spectaculaire du rallycross en fait un sport très moderne, en plein essor. 1er septembre 2014, dans 5 jours, l'Oéac, petit village de Bretagne et berceau du rallycross en France, accueillera pour la première fois une manche de championnat du monde. 10 saisons déjà que Jérôme Grosset-Janin sillonne les circuits de rallycross. Le pilote originaire de Sallanches, en Haute-Savoie, est initié au sport automobile à 18 ans par son mentor, Éric Arpin, alors pilote de course sur glace. Mais c'est ici même, à l'Oéac, qu'il a participé à sa première course, il y a plus de 9 ans. C'est donc pour lui un événement très particulier. C'est vrai que moi j'ai commencé le sport auto sur la glace. C'était coéquipier aux 24 heures sur glace de Chamonix. Et c'était avec un monsieur qui s'appelle Éric Arpin et qui m'a emmené avec lui. Et on a fait ensemble une ou deux courses sur glace. Et ça m'a aidé à savoir où j'en étais et ce que j'avais comme possibilité. Soutenu depuis ses débuts par la société Pujula, il enchaîne les résultats, accompagné de sa petite équipe technique, pour finir, en 2013, champion de France. Jérôme continue désormais son ascension dans la catégorie reine, en championnat d'Europe et du monde, où il est opposé aux ogres de la discipline, tels que Ken Block et Peter Solberg. Quand j'avais 18 ans, j'étais passionné. De toute façon, je suis passionné. J'aime la compétition, j'aime conduire, mais j'étais à des années-lumière de m'imaginer que j'avais ce genre de capacité en moi, quoi. Et c'est vrai que sans cette rencontre, peut-être que je serais pas là aujourd'hui et en train de parler de participer à un championnat du monde, quoi. Depuis que je fais du rallycross, je sens que c'est un sport qui a vraiment tout pour faire quelque chose de bien, parce que le format, la façon de faire, c'est un circuit mixte, terre et asphalte, un circuit qui est court, donc le public il est vachement impliqué. De n'importe quel endroit du circuit, on peut voir tout le circuit, donc ça c'est vraiment bien, on peut suivre toute la course. La proximité entre le public et les pilotes, on va voir ce week-end, il n'y a pas de barrière entre les paddocks et les tribunes, chacun peut circuler comme il veut dans l'enceinte du circuit, donc ça c'est vraiment cool. Premier grand rendez-vous en cette veille de qualification, le tirage au sort qui détermine les 5 pilotes de la première manche et l'ordre de départ. Sous la tente officielle, la tension est palpable, mais Jérôme reste malgré tout confiant. Bah, du coup, ouais, je fais le tirage au sort, Ken Block, Tim Erzianov, les deux lourds du championnat, et puis, je ne me souviens plus, Jos Janssen, enfin ouais, je suis en plein milieu en fait, donc on verra ce que ça va donner au départ de la première qualif, mais ça risque d'être chaud bouillant. Pendant que deux mécaniciens s'affairent sur la Renault,
Jérôme et Cédric, son ingénieur, repèrent et analysent la piste. Jérôme connaît bien le circuit de l'OEAC, mais il reste tout de même concentré sur les gestes qu'il aura à effectuer demain au volant de sa machine. Samedi 6 septembre, jour de qualification. 4 manches qui permettront de sélectionner les 12 pilotes qui participeront à la demi-finale. Le départ de chaque manche se fait en fonction de l'ordre d'arrivée de la manche précédente. Pour sa première manche, Jérôme part en troisième position. Dès le premier virage, il parvient à se glisser en deuxième position derrière Ken Block. Sous la pression de ses poursuivants, l'Américain connaît une faute et oublie de passer dans le tour Joker, tour obligatoire rallongé. Jérôme finit donc premier de la manche avec le cinquième temps au général. Ça a cogné fort au départ. T'as fait un vrai départ là, non? Ouais, c'était bien, ouais. Mais bon, l'autre en pôle, il n'a jamais freiné, donc il m'en a mis en passant. Et puis après, j'ai essayé de me suivre un peu Ken Block, j'ai fait une petite faute ou deux, mais c'est pas mal, en absolu. C'est rassurant. Lors de la seconde manche, Jérôme prend le départ à l'extérieur. Il arrive à se placer correctement, mais finit la manche avec un dixième temps au général, ce qui le fera partir encore une fois, tout à l'extérieur. Mais malgré ce handicap, Jérôme livre une troisième manche correcte, puis enchaîne sur une quatrième et dernière manche où il parvient enfin à faire parler la poudre. Il finit septième du classement général et se qualifie pour la demi-finale. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu contre Tim Erziano, je me suis enquillé derrière et puis après on a fait la série ensemble pour rouler au mieux. Et puis ça donne un septième temps général et je pense qu'on est sixième au cumul des qualifs. Donc c'est une qualif pour une bonne place en demi-finale. Donc maintenant il y a encore une course à voir. Et puis voilà, on verra tout à l'heure. Le sport auto, c'est ce qu'on voit et ce qu'on médiatise, c'est la course en elle-même. Donc on voit le départ. La performance sur la piste et puis l'arrivée, mais c'est vraiment, on voit que ça. Mais en fait, c'est vraiment une histoire de. Il y a beaucoup d'hommes derrière tout ça. Il y a une équipe technique, il y a mes partenaires. On est toujours entouré de plein de monde, et sans tous ces hommes, tout ça, ça n'existerait pas. Tout seul, je ne pourrais pas préparer et arriver à un tel niveau de performance sans avoir toutes ces compétences autour de moi. Donc c'est sûr qu'il y a. Le pilotage, il y a la voiture, mais il y a aussi plein d'autres facteurs, plein d'autres hommes qui rentrent en compte. Et j'ai notamment avec moi une équipe vraiment pointue. On n'est pas très nombreux. On fait tout ce qu'on peut et de la meilleure des façons avec ce qu'on a. Et c'est vrai que ça nous aide à évoluer. On est trois réels autour de la voiture, donc c'est pas extravagant hein, pour une équipe de championnat du monde. Mais c'est trois personnes qui sont vraiment hyper pointues dans leur domaine, avec de bonnes compétences. Le lendemain, tout le monde est sur le pied de guerre. L'équipe a travaillé très tard pour réparer la voiture endommagée lors des manches précédentes. En rallycross, les demi-finales se courent à 6, réparties en trois lignes de deux voitures. Jérôme occupe la troisième place sur la ligne de départ, ce qui peut lui permettre de se placer correctement dès le premier virage. Il est le seul Français en demi-finale. Thank you.
propre en quatrième manche. C'est vrai que malgré ce couloir vraiment négatif, j'ai réussi à faire un très bon départ et une belle série qui m'a reclassé dans les 6. Et dans les 6, ça voulait dire une bonne qualif pour la demi-finale. Partir 3. Et il fallait faire 3 pour rentrer en finale. J'ai pris des jetons vraiment importants qui m'ont vraiment déstabilisé dans les deux premiers virages. Et puis dans le troisième virage, en fait, je fais le choix de prendre le tour joker pour essayer de me sortir un peu de du feu, de l'action et essayer de me faire un décalage pour pouvoir gérer ma position. À l'entrée du tour joker, je me suis fait définitivement couper en deux. J'ai manqué de passer sur le toit et puis du coup après je suis reparti et avec un pneu crevé, je me suis amusé, j'ai fait spectacle pour le public et pour que tout le monde soit content. Et... Non mais c'est sûr que c'est une super perf, je suis vraiment content et je suis fier du travail que l'équipe a fourni, que tout le monde a fait ce week-end pour arriver à ce niveau-là, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et avec nos moyens, on s'est mis au milieu des mastodontes du championnat du monde. On a montré qu'on était là. Avec notre petite structure, on s'est positionné, on s'est placé. Voilà, on sort 6 au bout des qualifs. Premier français, c'est plutôt agréable. Ouais.